Voilà, cette vidéo aussi va traiter l'écart moyen, ce qu'on appelle l'écart moyen. Alors, je vais vous montrer comment faire un petit tableau rapide. Avec quelques valeurs. Bon, tout d'abord, on aura les intitulés. On a un indice, ici je vais mettre un regroupement par classe, bien sûr avec le centre de classe. Le centre de classe est bien sûr donc c'est une modalité par classe ici, hein. La modalité est exprimée par des classes. On aura le centre de classe, bien sûr, l'effectif. Et puis viendront les calculs. Viendront les calculs. Voilà. Alors, pour la facilité de la tâche, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire pour aller rapidement. Je vais décomposer la classe pour l'écrire plus rapidement. Donc, j'ai l'indice. Et là, les valeurs de la classe. Valeur, la borne inférieure. La borne supérieure. Voilà. Et puis après, on peut construire le tableau. Alors, l'indice, vous tapez 1, 2, vous mettez 1, 2 et vous glissez la série, vous faites une série. Voilà. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais prendre des valeurs qui vont aller de 0 à 42. De 0 à 42. Donc je prends des valeurs qui vont partir de 0, ouais, pour autant qu'ils prennent, voilà, de 0 à 42. Alors, je vais construire un tableau de Sturge. Voilà. Alors, 0,42, en mettant, je vais mettre 0,42. Je vais retirer. Je vais aller de 0 à 40. Bon, c'est pas grave. Si je retire deux unités, c'est pas grave. C'est comme si j'allais de 0 à 40. Mais je rajouterai dans la dernière deux unités. La dernière sera peut-être, on va dire, un petit peu plus grande que les autres. Voilà. Donc, je vais faire comme si j'avais de 0 à 40. Alors, 0 à 40, je vais créer. Dix classes. Donc je vais faire 40 moins 0 divisé par 10 classes. Voilà, ça c'est la valeur minimale, la valeur maximale. Enfin, c'est 42, mais j'ai remis à 40. Et puis vous verrez comment ce que je fais. Je rajouterai les deux pour la dernière classe, c'est pas un problème. 40 moins 0, ce qui fait 40. Je divise par 10, ce qui veut dire que les classes auront une valeur de 4. Valeur de 4. Voilà. On va créer ce tableau de Sturge. De cette manière, borne inférieure, bien sûr, 0. La borne supérieure, je vous ai dit, c'est de 0 à 4. Alors, le suivant, ce sera celui-ci, plus 4. Et là, vous créez votre série, vous tirez la série. Bon, ici, je l'ai mal fait. J'ai mal fait, donc je recommence. Je tire uniquement celui-ci. Voilà.
Bon. Je fais de même avec celui-ci. C'est égal à celui-ci plus 4. Là, on tire. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai dit que j'allais jusque 42. Hein. J'avais 10 classes. Et donc, celui-ci, bon, ce sera 42. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. On n'aura pas 4, mais 6. La différence. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire... Vous voyez que ça a pris 2 secondes pour faire ça. Grâce à des séries. C'est des séries. Hein. Bon, je tire la série sans aucun problème. Ça se fait automatiquement via Excel. Bon, Excel... est un outil pour ça, pour voilà, de traitement de séries de données. Donc, j'en profite d'utiliser Excel pour tirer mes séries facilement. Alors, la modalité par classe vaudra... Voilà. Voilà. Donc les modalités sont là. Le centre de classe, ben, c'est le milieu entre celui-là plus celui-là. Divisé par 2. Voilà. On a le centre de classe qui est en 2. Et donc je peux faire la même chose en tirant. Ah, en faisant oui, bon, c'est pas normal ça. 2 8 plus 4 ça fait 12, divisé par 2 ça fait bien 6. Effectivement,
2, 6, 10, 14, donc 18, 22, 26, 30, 34. Et le dernier fait bien 39, c'est juste, donc c'est bien 36 plus 42 divisé par 2, c'est bien 39. Donc c'est juste, tout est bon. Tout est bon. Bon, je vais mettre les effectifs. Bon, ça, c'est moi qui les mets. Hein. Ce sont des données. Je vais mettre bon, 8 pour 0,4. Je vais mettre 8. Bon, je vais mettre un peu n'importe quoi. Hein. Bon, c'est les effectifs, ce sont les données. Ça, bon, 8, 15, on va mettre 10, on va mettre 20, 25, 34, 12, 10, 8 et 8. Bon, ce qui fait que je veux calculer le total. Voilà, 150. Le total fait 150. Donc on a un effectif, si vous voulez, de 150 personnes. Bon. Voilà. Voilà les données de départ. Et le but, c'est de calculer l'écart moyen. Alors, l'écart moyen, je vais vous mettre la formule de l'écart moyen. C'est tout simplement une moyenne des écarts qui est donnée. Bon, il faut rechercher tout d'abord. Bon, c'est l'écart moyen qu'on note EM. C'est 1 sur N, si vous voulez. Somme des NI, valeur absolue des XI moins, moins la moyenne. Donc ça veut dire que vous devez connaître la moyenne. Vous devez connaître la moyenne ici. Voilà. Donc la première des choses à faire avant de calculer quoi que ce soit, vous êtes obligé de calculer la moyenne. Alors calculons cette moyenne. On va la mettre ici. Je vais l'appeler moyenne qui est X bar. X bar. La moyenne est égale à tout d'abord pour avoir la moyenne il faut que je multiplie ces deux valeurs là NI le centre de classe que je vais appeler je sais pas comment est-ce que je pourrais appeler le centre de classe XI les XI voilà. Les effectifs, je vais appeler les NI. Voilà. Bien sûr, je vais faire XI multiplié par les NI. Voilà. Parce que pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, je cherche... la moyenne, c'est la somme des XI NI, voilà, fois 1 sur N. N étant l'échantillon, bien sûr. Hein, ou si vous voulez, je peux mettre le divisé par N ici. Hein, tout comme le 1 sur N ici, je peux le ramener bon, dans la somme. Hein, voilà, bon, je peux sortir comme je peux le laisser à l'extérieur de la somme. Bon. Moi, je vais le montrer à l'extérieur. Je vais le mettre à l'extérieur de la somme parce que je dois d'abord faire le produit. Je vais d'abord faire les produits, XI, NI. Voilà, tous les produits pour chacun des I
des indices donnés, je fais le produit, ensuite je ferai la somme, et puis après je multiplierai, je diviserai par n. Ben, faisons ça. Donc on aura égal à 2 fois 8. Voilà. En faisant ça, j'ai ceci. Je vais chercher la somme. Maintenant, je prends la somme. Voilà. 2880. Bon, je vais mettre en somme. Ça, c'est la somme. Bien sûr, je vais le mettre. Faire intervenir utilité séparateur de milliers. Je vais mettre aucune décimale parce qu'il n'y en a pas. 2880. Voilà. Et ensuite, ici, je vais calculer 2880 divisé par 150. Voilà, et je trouve 19,2. Voilà, ça c'est la moyenne. La moyenne vaut 19,2. Bon, maintenant, j'ai maintenant qu'on a la moyenne, eh bien, je vais calculer XI moins la moyenne. Je vais voir l'écart, ce qu'on appelle l'écart. Voilà, donc ce qui est, la moyenne que j'ai calculée, c'est la moyenne arithmétique de la distribution. Hein. Moyenne arithmétique. Il existe plusieurs moyennes hein, géométriques, mais moyenne arithmétique, géométrique, il y en a d'autres. Voilà, mais ici, il s'avère que pour utiliser les moyennes, calculer une moyenne, c'est une moyenne arithmétique. C'est une moyenne arithmétique qui vaut 19,2. Alors, je vais voir les écarts, bien sûr, en valeur absolue pour éviter d'avoir des moins. Je vais faire donc XI moins la moyenne arithmétique que j'appelle X bar, mais bon, on va mettre ça comme ça, X. X moyenne, X moyen. La moyenne arithmétique, c'est X moyen. Bon, ben, on va faire ceci. Donc, XI 2 moins 19,2 qui est négatif, mais avec la valeur absolue. Oui, j'ai oublié de prendre la valeur absolue, donc voilà, 17,2. Là, j'ai la valeur absolue. Voilà, je fais ça jusqu'ici. Je regarde les écarts. Voilà. Ensuite, je vais rechercher donc ce qui a été fait. Je viens de faire les XI moins X bar. Je vais multiplier par les différents NI. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je n'ai que les écarts. Hein. J'ai la valeur absolue de chaque écart. Et maintenant, je vais voir, en multipliant par NI, la valeur de chaque produit. Voilà, chaque produit. Donc, ça sera une moyenne spéciale. C'est un écart moyen. C'est un écart moyen. Donc, je suis obligé. Vous voyez que la moyenne, c'est NIXI. La moyenne, c'est NI fois XI. Mais ici, c'est pas NIXI, mais c'est NI. Comme je mesure un écart par rapport à la moyenne, c'est XI moins X bar. Et pour éviter que ce soit négatif, je mets une valeur absolue. C'est un écart moyen. Un écart moyen, c'est un écart par rapport à la valeur moyenne. C'est une moyenne d'écart. Une moyenne d'écart par rapport à la. Une moyenne d'écart par rapport à la moyenne. Donc,
ce que je vais faire ici, maintenant, je vais faire NI multiplié par voilà. Alors, on va multiplier ça. Donc, 17,2 moins le NI, c'est l'effectif. Voilà, bien sûr, on produit. C'est un produit et pas une soustraction. Je mets un x à la place d'un fois. Je remets mon fois qui se trouve là. Voilà. Alors, on tire. On a toutes les formules comme ceci. Je vais chercher maintenant la somme parce que c'est. Je dois faire la somme. Vous voyez que je dois faire la somme maintenant. On a déjà fait ceci. Et puis il faudra diviser par n. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça je n'interviens plus ici. Donc je fais la somme, voilà, toujours en mettant le séparateur de milliers. Ouais, mais ici le problème, ça ne va pas, non, parce que je vais laisser les décimales. Format de cellule, donc il faut quand même deux, je prends aller jusqu'à deux décimales en utilisant un séparateur de milliers, voilà. Alors que j'en ai pas mis ici, il n'y avait pas de séparateur, c'est normal. C'était, les effectifs étaient positifs et les classes positives, c'était tous les deux des entiers positifs, donc c'est normal qu'il n'y avait pas de virgule. Voilà. Par contre, ici, quand je fais xi moins x moyen, j'ai des virgules. Voilà. Donc, fatalement, on comprend qu'on va avoir xi moins x moyen fois ni, une virgule. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher l'écart moyen. E moyen égal c'est l'écart moyen, pas confondre avec la moyenne arithmétique. Voilà. Alors maintenant, je calcule 1123 divisé par 150 et j'ai 7,488 qui est l'écart moyen. Voilà.
Voilà, je vous remercie.